Ce projet a été lancé en septembre 2020 en faveur donc de Hajarim Belalito, dans le but de lui trouver une source de revenus durable. Cela est parti d'un constat. Elle a une carrière de plus de 50 ans et vivait dans une situation de précarité. Et nous avions trouvé que c'était paradoxal, et donc nous avons décidé de mettre en place un projet, mais pas n'importe quel projet. Ce n'était pas un projet pour, je vais dire, chercher de l'argent et lui donner, chercher un montant et lui attribuer. Mais c'était plutôt de chercher de l'argent et l'investir dans une activité génératrice de revenus, de sorte que ces revenus puissent être reversés donc, à la bénéficiaire et qu'elle puisse s'en servir à vie. Donc c'était ça l'objectif du projet. Trouver une source de revenus durable en sa faveur. Au lieu de lui donner de l'argent, vous connaissez très bien le proverbe chinois qui dit « Au lieu de donner du poisson à chaque jour à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. » Donc on voulait lui apprendre à pêcher à travers donc, la mise en place d'une activité génératrice de revenus, donc pour lui trouver des revenus durables. Nous avons réfléchi dans un premier temps à plusieurs activités possibles. On a pensé par exemple à un restaurant. Et on s'est dit que c'est très difficile de mettre en place un restaurant et de le suivre, donc de le tenir, de le suivre, etc. Ensuite, on a réfléchi à la mise en place, par exemple, d'une activité de maraîchage dans son village. Mais elle est âgée, elle vit aussi principalement à Conakry. C'était très difficile pour elle de se retrouver là-bas et de trouver du temps pour mettre en œuvre cette activité de maraîchage. Donc bref, on a finalement choisi de mettre en place un projet immobilier. Mais le projet immobilier, donc c'est pourquoi on l'a dénommé un toit pour Binta, ne consistait pas forcément à lui construire un toit, mais c'était de lui construire, si vous voulez, des appartements à mettre en location pour que le frais de loyer lui soit reversé à vie. Nous avons pensé que c'était plus durable et plus facile à gérer parce qu'elle-même pouvait gérer ça. Mais accessoirement, donc pour joindre l'utile à l'agréable, nous avions prévu donc de construire non seulement des logements, mais trois logements, deux à mettre en location, et le troisième pour qu'il soit réservé donc à elle pour en faire son toit. D'où le nom du projet, un toit pour Binta. Donc trois appartements, deux à mettre en location, et le troisième pour elle pour en faire son logement. Voici le projet, et maintenant le challenge, le défi, c'était de trouver le capital nécessaire pour investir dans ce projet. Alors nous sommes partis avec deux approches. Il y a une approche musique, puisqu'elle était active, elle peut chanter, etc. Donc nous avons utilisé, si vous voulez, son talent de musicienne pour l'accompagner dans l'enregistrement d'un mini-album de 5 titres dans le premier temps, qui est devenu 7 à la fin, afin de le vendre à un prix spécial pour mobiliser le capital nécessaire de l'achat de la parcelle et de la construction des appartements. Ça, c'était la première approche. La deuxième approche, c'était une approche de plaidoyer. Donc, nous avons lancé un plaidoyer à travers une vaste campagne de communication afin de sensibiliser les personnes pour faire des dons dans le cadre donc, du projet. Qu'on puisse rencontrer des personnes, des mécènes, des n'importe qui, etc., enfin, qui étaient sensibles au projet pour faire de la contribution afin d'alimenter donc, ce montant-là pour construire, pour vraiment réunir le montant nécessaire afin donc de construire les appartements en question. Alors, mais pour faire tout cela, nous avons utilisé plusieurs approches, donc, comme on l'a dit. Donc, on a pu lancer la campagne qui a généré beaucoup de retombées. Je ne vais pas revenir sur en détail. On a donc ce rapport-là en version papier. On va remettre à quelques personnes dans la salle. Mais on est en train de faire circuler une liste pour s'inscrire afin qu'on puisse partager la version électronique à tout le monde. Donc il y a un communiqué presse plus ce rapport-là qu'on va partager à tout le monde. C'est un rapport de 42 pages où nous détaillons l'ensemble des activités mises en œuvre et toutes les retombées donc, du projet. Peut-être quelques retombées du projet. La première, c'est que l'image de Bintala Lisso a été revalorisée et sa popularité consolidée. C'était une personne populaire, c'est incontestable. Mais nous avons revalorisé son image. En quoi faisant? D'abord, dans un premier temps, nous avons, comme vous en êtes sans doute aperçu, changé
toutes les photos d'elle qui circulaient depuis les années 90 sur Internet. C'était des photos anciennes. Donc nous avons recruté un photographe professionnel et on l'a prise en photo professionnelle. Ensuite, on a diffusé ces photos-là parmi les journalistes et les médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous tapez son nom sur les réseaux sociaux ou vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous trouverez des photos d'actualité d'elle, des photos professionnelles. On a fait ça dans un premier temps. Ensuite, on a créé une page Facebook. Aujourd'hui, cette page Facebook a plus de 150 000 abonnés. À travers cette page-là, on a fait énormément de promotion de son image. Du coup, elle est ressortie donc avec une image revalorisée et une popularité qui a été consolidée. Elle a rencontré beaucoup de personnes, etc. Elle a fait beaucoup de choses. Ensuite, nous avons le projet a permis la révision d'un contrat qu'elle avait signé avec la maison Silla Production autour d'un album qui s'appelait Fulani, qu'elle a produit en 2005. Donc ce contrat était là, mais grâce au projet, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, la maison de production nous a contactés pour demander à rentrer en contact avec elle directement afin de renégocier le contrat. Donc nous l'avons accompagnée dans la renégociation de ce contrat et finalement elle a obtenu non seulement le rehaussement, si vous voulez, des primes qu'elle devait recevoir régulièrement, mais elle a reçu les premiers versements directement de ça. Et ça continue jusqu'à maintenant, mais régulièrement, ce n'est pas des grands montants, mais elle reçoit néanmoins des versements assez réguliers sur son compte personnel qu'on a créé. Bon, je ne vais pas revenir sur tout, mais on a créé également un compte bancaire personnel pour elle, justement dans le cadre de la renégociation de ce contrat avec Silla Records. Donc ça, nous considérons ça comme une aussi des retombées du projet. Troisième, c'est la reprise de Oulunguri par Madame Bakanté. Comme vous le savez, Madame Bakanté a repris Oulunguri. La reprise de ce morceau, ce n'était pas, nous, ce n'est pas une demande. C'est elle et son mari, qui est également qui l'accompagne sur le banc, qui sont venus demander à ce qu'ils reprennent le morceau. Mais tout ce qui touchait aux aspects musique, on n'a presque rien géré, Abla et moi. On a plutôt filé ça, on a refilé tous les aspects musicaux à Yahbita et à son manager. Donc c'est eux qui ont, si vous voulez, qui sont tombés d'accord avec Soul. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais elle a repris le morceau et comme vous l'avez vu, ça a donné une visibilité au-delà des mélomanes habituels de l'artiste. Donc au moment de la rédaction de ce rapport, ce morceau, le clip qui a été tourné, avait généré plus de 3 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui, c'est sans doute plus de 4 millions, voire peut-être 5 millions ou plus. Donc, nous considérons que c'est une retombée également du projet parce que ça a décuplé sa popularité et elle a touché un public au-delà de son public habituel. Quatrième, c'est qu'elle a participé à plusieurs cérémonies, à plusieurs concerts. Depuis le lancement du projet, elle a participé vraiment à toutes les cérémonies presque officielles, disons. Et cinquième, c'est comme je l'ai dit, elle a reçu donc la médaille du grade de commandeur de l'Ordre national du mérite qui a été donc délivrée par le président de la transition, comme vous le savez. Donc pour nous, c'est la plus grande récompense qu'elle a à travers ce projet-là. L'argent, c'est utile, mais c'est plus parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un titre honorifique qui décuple sa popularité, qui lui donne beaucoup plus d'influence, donc renforce sa popularité, renforce sa stature d'une personnalité publique en Guinée. Nous considérons que c'est grâce à ce projet qu'elle a pu accéder à cette distinction majeure pour une artiste de son rang. C'est pour nous une reconnaissance justement de sa carrière de plus de 50 ans de musicien. Ensuite, comme vous le savez, le président lui a fait également un don d'une voiture que vous avez vu qui est garée dehors. Et donc ces dons entrent également dans le cadre en tout cas, du projet d'un point de vue, si vous voulez, retombé. Donc nous nous en réjouissons évidemment, elle a reçu ça et aujourd'hui elle se déplace donc à bord de son véhicule personnel. Et enfin, on ne va pas tout citer, mais enfin, il y a aussi des promesses de dons qu'on a recensées. Il y a quelques promesses que les gens ont faites. Si le projet arrivait par exemple à telle étape, ils ont promis de faire ceci, de faire cela, soit de donner des matériaux de construction, du ciment, du sable, etc.
Et il y en a qui ont commis de l'argent, il y en a qui ont commis des briques, etc. Donc tout ça là, on a consigné tout cela, toutes ces promesses là dans ce rapport-là. Évidemment, quand on ne peut pas mettre en place un projet de ce type-là sans rencontrer des difficultés. Nous avons rencontré quelques difficultés, parmi lesquelles un contexte sociopolitique très difficile. Comme je l'ai dit, on a lancé ce projet en septembre 2020. Et vous savez que à cette période-là, c'est l'élection présidentielle et le référendum sur la Constitution. Et vous savez toutes les conséquences que ces deux événements ont engendrées dans le pays à l'époque. Donc on l'a mené dans un contexte sociopolitique extrêmement difficile, ce qui a fait que le projet a pris énormément de temps et jusqu'à maintenant, jusqu'au trimestre 2022, il était encore d'actualité. Tous les mois passés, on a jonglé entre réactivation, mise en pause du projet, parce qu'il y avait des violences, parce que la communication n'était pas favorable, etc. Donc voici l'une des difficultés qu'on a vraiment rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. Ensuite, on a eu des ressources humaines limitées. Comme je vous l'ai dit, c'est lui et moi qui l'avons mis en place. On a été accompagné par beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, il y a Petit Tonton qui devait être là, qui devait être en route. Il y a Halimbatou, il y a plusieurs autres personnes, mais de façon concrète, on n'était que deux, parfois trois, à gérer un projet d'une telle ampleur. Donc on a eu des ressources humaines extrêmement limitées et ça nous a posé pas mal de soucis. Voici quelques difficultés qu'on a rencontrées. Ensuite, quand on met un tel projet en place, on en tire des leçons. Donc on a tiré aussi quelques leçons. La première leçon, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'elle appartient quand même à une autre génération maintenant d'artistes. On a organisé un concert, on a été vraiment transparent dans la rédaction de ce rapport. On a organisé un concert, mais on s'attendait à une mobilisation plus importante. Même si, du point de vue rentrée financière, on était complètement comblé, on était satisfait des rentrées financières, mais il n'y avait pas de mobilisation. On a loué une salle de 1500 places, donc au chapitre Baïssa, c'était le 12 mars 2022, je rappelle. Mais la salle était vraiment clairsemé, c'était presque vide, il n'y avait pas beaucoup de personnes. On a tiré des leçons pourquoi c'était vide. On s'est rendu compte que les gens peut-être aiment l'écouter, mais ne veulent pas forcément aller en salle danser à sa musique. Mais les gens ont quand même contribué. Parce que les personnes n'étaient pas venues, mais ils ont quand même acheté les tickets, ils nous ont envoyé de l'argent. Donc on a eu plus que ce qu'on espérait en termes, si vous voulez, de mobilisation pour l'achat de. Mais on n'a pas pu remplir la salle. Et du coup, l'album qu'on a créé, donc les 7 titres, on n'a pas pu le vendre. Et d'ailleurs, on a ramené les clés ici. Toutes les clés qui restent sont là. On va les remettre à la fin de cette conférence peut-être. Ensuite, le projet immobilier qu'on a mis en place, il est novateur, mais il est onéreux, il est coûteux, il est très cher. On n'était pas dupes. On savait que c'était très difficile de trouver un terrain à l'ordre ici, l'acheter et le construire, les trois logements là, seulement en mobilisant de l'argent comme cela. C'était difficile. Mais on comptait sur la générosité de certaines personnes. Peut-être que quelqu'un dirait un jour, je vous donne une parcelle et vous pouvez construire sur cette parcelle-là. On espérait ce type de réaction. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, même si on a positivé effectivement tout ce qu'on a reçu. Et à la fin, c'est qu'il y a des limites. Donc, on a analysé un peu les limites de l'approche de la solidarité, parce que c'était un projet de solidarité. Mais la solidarité a des limites ici. Les gens peuvent donner, mais ils donnent juste à un certain niveau. Ils ne donnent pas tout et ils ne donnent pas à tous les projets. Ça, c'était un projet humanitaire. On a vu aussi des projets peut-être moins humanitaires, mais qui ont bénéficié de dons encore plus importants, plus rapidement, et qui ont été mis en place et réalisé et complètement bouclé. Mais celui-là, c'est vrai, il a bénéficié d'une grande popularité, mais on a tiré des leçons que la solidarité quand même a une limite dans notre pays. Alors, en conclusion, nous avons d'abord remercié tous ceux qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet. Nous sommes satisfaits parce que nous avons pu atteindre l'objectif spécifique qu'on s'était fixé, sortir l'artiste de l'extrême précarité dans laquelle il se trouvait.
car je vous rappelle, quand on lançait le projet, elle était vraiment dans une situation de précarité extrême. Mais aujourd'hui, comme vous-même vous l'avez vu, elle est dans sa propre voiture ici. Elle est dans son logement, elle a un revenu qui lui permet aujourd'hui de vivre pendant plusieurs années. Ce n'est pas extraordinaire. On n'a pas certes pu construire les trois appartements, faute d'avoir réuni le montant nécessaire. C'est ça la raison. On n'a pas pu, en deux ans, pu réunir le montant nécessaire pour acheter la parcelle et construire la maison. Par contre, on a pu mobiliser de l'argent et on va donc vous faire un petit compte rendu sur qui a contribué cet argent, combien on a pu sécuriser et comment on va lui remettre cet argent. Le parcours de ce projet qu'il a été lancé, il a expliqué que c'est un projet humanitaire, donc qui parle de cela, parle obligatoirement des donateurs et tout. Donc on rappelle aussi que c'est un projet numérique, tous vous le savez, les médias qui sont ici, chacun a contribué à quelque chose, ne reste qu'un don ou en faisant un reportage, un live, comme vous êtes en train de le faire, ou une image. Donc, sur ça, je vais aborder trois points essentiels. D'abord, les rentrées d'argent qui ont eu lieu. Ensuite, les sorties, parce que vous savez que c'est cela. Ensuite, ce qui reste. Et les promesses également que Aliou vient dénoncer tout à l'heure par rapport à ce projet-là. Donc, pour ce qui est des rentrées qu'on a vues, on les a classées vraiment selon les contributeurs. Les sources donc, le montant qui a été donné et ensuite la nature qu'on a obtenue, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un achat de livres, nous allons vous préciser tout cela. Donc, il y en a, je précise, qui ont donné et qui ont décidé à ce que cela soit anonyme, donc on ne peut pas dire leur nom parce qu'ils ont finalement décidé parce que ce soit ainsi. C'est le cas donc des cinq premiers. Je vais donc juste mentionner les montants qui ont été donnés et expliquer s'il s'agit d'un don ou dans quel cadre ce montant a été obtenu. Alors, nous avons eu dans un premier temps une contribution de 16 000 francs guinéens, qui est un don d'un anonyme. Ensuite, 29 000 francs guinéens, également le don d'un anonyme. 50 000 francs guinéens, c'est le cas, un anonyme également. Et ensuite, 50 000 francs et 55 000 francs. Donc, toutes ces premières personnes, ces cinq, l'ont donné de façon anonyme. Ensuite, nous avons une certaine Hadiatou Diallo qui nous a donné un montant de 100 000 francs guinéens. C'est 10 euros donc qu'on a converti, qui donne ce montant de 100 000 francs guinéens. Ensuite, Doua Diallo nous a donné également 100 000 francs guinéens en termes de dons. Tidiane Keita en a fait autant, 100 000 francs guinéens en termes de dons. Un anonyme a également donné 105 000 francs guinéens, c'est un don également. Un autre anonyme a donné 200 000 francs guinéens, don également. Il y a le lieutenant Mamadou Al-Kabari qui a donné également 200 000 francs guinéens, c'est un terme de don toujours. Habiba Touba, 200 000 francs guinéens, c'est un don également. Et comme vous le savez, dans le fait de récolter ces fonds-là, on est passé par un livre de Ali Moussou, Ma Guinée plurielle, donc qu'on a revendu et qui nous a permis de récolter les premières sources de revenus. Donc, il y en a également qui ont acheté ces livres-là et qui ont contribué par l'occasion, disons, à financer le projet, notamment l'enregistrement de l'album. Donc, sur ce point-là, il y a M. Christopher Bagger qui a acheté un livre au prix de 260 000 francs guinéens. Il y a également Oumou Salah Nataba, 260 000 francs guinéens, un exemplaire. M. Kemo Keita, 260 000 francs guinéens, c'est également l'achat de livres toujours. On a Diallo, 268 000 pour un exemplaire. Je précise que cette différence de 260 et 260 000, c'est le prix de retrait. Il y en a qui ont mis des frais de retrait en achetant, par exemple, via Orange Money. Ismaïla Hadiatoula Ebali, également 268 000 pour l'achat d'un exemplaire. Youssouf Diallo, 268 000, achat d'un exemplaire. Alors, Ibrahim Khalil Keita nous a offert 300 000 francs guinéens, c'est un don dans le cadre du projet. Yaya Dali, 300 000 francs guinéens. Habib Valdé, 308 000 francs guinéens.
Ramata Kone, 308 000 francs guinéens. Abdoulaye Ba, 430 000 francs guinéens. Dr Lamine Kourikou, 450 000 francs guinéens. Papa Sek, 500 000 francs guinéens. Sakouba Silla, 500 000 francs guinéens. C'est Oumar Kamara, 500 000 francs guinéens. Un Nanouni a également contribué en termes de dons à hauteur de 512 000 francs guinéens. Abdourahmane Diallo a contribué en achetant deux exemplaires du livre de la Guinée plurielle à 540 000 francs guinéens. Mohamed a contribué à hauteur de 664 800 francs, c'est un don. Hambalim Baldé, 707 000, c'est un don. Mamadou Ramadan Diallo, 800 000, c'est un don également. Aboubakar Diallo, FIM FM, nous a donné 100 dollars, ce qui à l'époque faisait 950 000 francs guinéens. Et aussi, un anonyme a donné 1 million de francs guinéens. Alors, Gabriel Cultus nous a donné également 1 million de francs guinéens, c'est un don. Et Jacques Kouim Baldé, a donné également 1 million de francs guinéens, c'est toujours en termes de dons. Pierre Mamadouba nous a donné 1 million, c'est un don également. Un autre anonyme a donné donc à hauteur de 1 million 20 000 francs guinéens. Cela constitue également un don, toujours dans le cadre du projet 23 pour Binta. Alors, il y a Abdoulaye Tombon Diablo qui a acheté 4 exemplaires du livre en Guinée courriel à hauteur de 1 million 40 000 francs guinéens. Toujours un autre achat de livre couplé d'un don que M. Bobo Diallo, Madame Aissatou Bobo Diallo nous a fait, c'est à hauteur de 1 294 000 francs guinéens. M. Biliaba nous a accompagnés en termes de dons à hauteur de 1 534 000 francs guinéens et Souadou Koupabé, 2 millions, c'est également un don qui a été effectué donc dans le cadre de ce projet M3.Pinta. Alors, et toujours au compte des entrées qu'on a eues, il y a la fondation Foumassil qui appartient à l'homme politique et au directeur économique Mamadou Silla qui nous a accompagnés à hauteur de 2 millions, c'est un don. Dr Abdourahmane de Fortengolin également, avec certains de ses collaborateurs qui nous ont accompagnés à hauteur de 3 millions de guinéens. Le couple Soulbans Manamba Kanté également nous ont accompagnés à hauteur de 5 millions de francs guinéens, c'est un don qu'ils ont effectué dans le cadre du projet. Elhaj Abdourahmane Koula, Abdourahim, je ne suis Koula, nous a également accompagnés à hauteur de 5 millions de francs guinéens, c'est un don. Et Oumi Création nous a accompagnés à hauteur de 7 450 000 francs guinéens, c'est également un don qu'ils ont effectué dans le cadre du projet. Alors, nous avons participé à une soirée gala qui avait été organisée chez Alpha VIP à l'époque. Je pense que c'était les premières semaines qui ont connu le lancement de ce projet-là, ou en tout cas les premiers mois, qui avait été organisé par AMLO et certains de ses collaborateurs et tout. Donc, à l'occasion de cette soirée gala, il avait été convenu qu'une partie des recettes allait être reversée dans le compte du projet. Alors, sur ce, 10 millions de francs guinéens avaient été reversés sur le compte du projet. Abdourahim Ba a cotisé à hauteur également, a contribué, a accompagné le projet à hauteur de 10 millions de francs guinéens. Alors, notre célèbre artiste Grandi également, et certains de ses collaborateurs, son manager et d'autres, ils nous ont accompagnés également à hauteur de 10 millions de francs guinéens dans le cadre de ce projet. Et là aussi, c'était par l'entremise de AMLO, qui est également un promoteur culturel que peut-être tous ici nous connaissons. Et après cela, il y a l'entreprise Guinéens qui nous a accompagnés, c'est un don de 15 millions qu'ils ont fait dès le début du projet, parce qu'on le dit au départ, l'enregistrement de l'album, on l'avait évalué à hauteur de 15 millions, ils se sont engagés tout de suite à donner ce montant-là, ce qui nous a permis d'accélérer des choses, ainsi de suite. Parce que je vous ai dit qu'au départ, parce qu'on avait dit qu'on devait commencer, il fallait passer par le livre et les contributions. Guinéens donc nous a aidé à accélérer cela et nous ont accompagnés à hauteur des 15 millions, soit les frais de l'enregistrement de l'album. Alors,
L'opérateur économique aussi, M. Antonio Soare, a contribué à hauteur de 5 000 $ américains. Et à l'époque, quand on faisait la monnaie de cela, ça nous a donné 42 500 000 francs guinéens. Et maintenant, le 12 mars 2022, on a organisé ce concert dédicace-là. Et là, le cumul des ventes de tickets, qui a été le cumul, nous a donné 58 261 000 francs guinéens. Vous comprendrez que là, parce qu'il y a eu des ventes un peu partout, on ne peut pas vous dire que Tidiane a acheté, Binta a acheté et tout, mais on a fait un cumul après qu'il y ait eu les frais, tout ce qui a été à l'électrique, et ça nous a donné ce montant-là, 58 261 000. Alors, si tu fais qu'en termes de rentrée, qu'on a obtenu dans le cadre de ce projet avec toutes les sources qu'on vous a citées tout à l'heure, on a eu un montant total de 189 657 806 francs guinéens. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on a eu, je répète, il y a eu 189 657 806 francs guinéens. Ok? C'est ça. Donc, 189 657 806 francs guinéens. C'est ce qui a été obtenu. Où nous sommes, 84 785 270 francs guinéens ont été utilisés donc pour en termes de sortie d'argent. Alors, 84 785 270 francs guinéens ont été utilisés sur le montant de 189 657 806 francs, donc qui ont constitué, si vous voulez, la rentrée globale en termes de campagne et ce qu'il y a. Alors, si nous faisons tout à l'heure la différence en termes de ça, donc entre le montant qui est rentré et ce qui reste, ça va nous faire un reste de 104 872 536 francs guinéens. Donc, c'est ce qui est resté dans le compte du projet qui a été vraiment créé spécialement par rapport à cela. Maintenant, je vais préciser que sur le rapport que vous allez voir, le montant est à 101 millions et quelques, et ça a donc... si vous voulez, une différence, et cette différence s'explique par le fait que 3 autres millions ont été prélevés sur donc, ce compte-là, et c'est ce qu'on a réutilisé pour confectionner après ces rapports que vous voyez là, avec tout ce qui existe derrière et tout. Donc, il y avait une petite pièce qui a été créée, ce qui fait que le montant que vous trouverez, c'est 101 millions, et quelques qui restent donc dans le sol de ce compte-là. Alors, tout à l'heure, en termes de sortie, on a évoqué, il y a eu également des promesses, mais généralement des promesses qui allaient se concrétiser lorsque le projet allait atteindre un certain niveau, c'est-à-dire quand les toits allaient vraiment pousser pour la plupart, ou quand on obtenait une parcelle. Malheureusement, ce qui n'a pas été obtenu jusqu'à ce jour où nous nous retrouvons. Alors, pour cela, il y a Mme Asmaou qui avait promis une tonne de ciment. Ça c'est depuis septembre 2020, c'est-à-dire quand on allait lancer les activités et tout, elle était prête à accompagner à cela. Alpha VIP avait pris l'engagement également de payer les feuilles de tôle, l'ensemble des feuilles de tôle qui allaient comprendre la toiture. Donc ça aussi, vous comprenez naturellement, c'est quand il y a déjà le bâtiment et tout qu'on va penser à finaliser et tout. Après ça, il y a également Sengitou qui était passé par Mamadou, qui était à l'époque un de leurs ambassadeurs ici en Guinée, qui a promis 5 millions de francs guinéens que nous n'avons pas reçus, donc répertoriés dans la liste des promesses. Newscom via Sega Diallo avait également promis 5 millions de francs guinéens, c'était en octobre 2020. Il y a également Moussa Darabar qui avait promis la réalisation, il avait dit des clips de l'album, on ne connaissait pas exactement le nombre et tout, parce que certaines chansons devaient être vraiment clippées pour que ça puisse être réutilisé, publié sur les réseaux sociaux et tout. C'est également dans la liste des promesses. Monsieur Moustapha Diallo avait promis de donner un montant, c'est pas déterminé, mais on l'a mentionné ici.
Il y a également un entrepreneur qui est passé par le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics à l'époque qui a promis de faire donc 1000 briques. C'était en avril 2020, c'est dans le cadre du projet. Ensuite, il y a l'entreprise Bankiprop également qui a fait une promesse de 500 briques, 20 mètres cubes de gravier et maintenant une tonne de ciment qui allait coûter donc. C'est au mois de mai 2022 qui allait être donné quand le projet et les activités allaient commencer. Il y a également le ministre Ousmane Gawa Diallo qui avait promis 5 tonnes de ciment, c'est le 13 mai 2022. Et on a également Alpha Bilari qui avait promis d'installer le kit d'éclairage solaire quand le bâtiment allait être là. Et maintenant, il y a également Mbaye Satoufal qui est un graffeur que vous connaissez ici, qui avait promis vraiment la main d'œuvre pour la peinture quand la maison allait être construite. Donc, c'est l'ensemble de cela qui constitue des promesses qui ont été vraiment mentionnées dans le cadre du projet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min duda ko bi yewta tata ko adi kon taw ne yertani ke du saadi so kan ko e Abdoulaye Sall parce que ko manta ko ko probi ira nyaale on do foto yo present kero ko Allah e odo parce que mi kan ko do dila ha yo tu de wate ko wate do ko sina me de yertani anda yertani yo haray tigi tigi on yalla jundu balde de mo ina batane on haray yo alla o lan ko feydan en e fi ko jokku den ko suso ino do ko bandira wani ko nyanga haray no mi andina o tutu su mi kam woni do o welta na ko do tum o no so de dar yo o wede do do ni me de welta ni o bolo da o fono welta ni o jama on ka di fono welta ni o e ko 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 he ko be go ko ta ko le te so he ko me te ka di to e ono wa o ya o ya ko le te ko se ka e ko alla o la ko ni ha ko le ni ha ko se ta ta ha ra e ti ti yo na e la ta ni to ko du tu a ti la no ko du go lo me le ti ke ti le ti ko ti ona fe ta la ni ko bona ta ha ko le si me re ha ra e de yo ko ni ri ti de ha so de ri un do ko yo mo di la yo que era tenda con yo mandira won diga ender ko won ga ko mo be ko yo antitro na ha ki ki te pe ta ko ji ta ha ki an ta han do me na me de ver ki foto na se da de ver tani e ro di do pas ke comer lo kala ko me e bito me na comer o ko ri la pas ke ko ka be ho ni de ko na do fo are Thank you.